Bonjour tout le monde, nous allons aujourd'hui parler de l'indépendance du Bangladesh, puisque cette indépendance est en partie liée, a été en partie causée par le cyclone de Bola dont nous avons parlé dans deux vidéos précédentes, que je vous invite à voir si vous ne les avez pas encore vues. Et du coup nous allons essayer de voir en plus en détail comment cette indépendance est arrivée, quelles ont été les causes et comment elle s'est déroulée. Pour cela il faut placer le contexte et remonter en 1947, lorsque les Indes britanniques obtiennent leur indépendance, elles sont alors séparées en deux états, l'Inde pour les hindous, le Pakistan pour les musulmans. Partition qui est loin d'être simple, car les populations hindoues et musulmanes sont mélangées dans de nombreux territoires, et on retrouve ainsi des hindous dans les territoires à majorité musulmane, des musulmans en territoires à majorité hindoue, des endroits où c'est plus équilibré. Donc le découpage est compliqué, ça entraîne de nombreux déplacements de population, également des massacres des minorités. On estime ainsi qu'il y a eu entre 300 000 et 500 000 morts, et entre 10 et 15 millions de personnes qui ont dû changer de pays. Et ça va provoquer des tensions entre l'Inde et le Pakistan qui ne cesseront jamais depuis lors, qui encore aujourd'hui existent. Les deux pays se sont retrouvés en guerre plusieurs fois, et c'est toujours très tendu entre les deux. Donc le Bengale va être aussi concerné par cette division, puisque la partie occidentale du Bengale est à majorité hindoue, la partie orientale à majorité musulmane. Donc la partie orientale du Bengale est attachée au Pakistan, alors que les deux entités sont séparées géographiquement par l'Inde. Du coup, déjà, on part sur un pays qui est séparé en deux par la scission. Donc déjà, ça part pas forcément très bien. Et en effet, cette province va se retrouver assez délaissée économiquement, mise de côté, écartée du pouvoir politique, puisque aucun président ne sera issu du Pakistan oriental. Et sur 24 années, seulement 5 années, virent un premier ministre issu de ce territoire. Et ce, alors que la majorité de la population du Pakistan y vit, puisque même si ce territoire est plus petit, il est très densément peuplé. Et du coup, ça crée des tensions. Les habitants du Pakistan oriental se sentent délaissés, se sentent mis de côté et maltraités par l'État central. Donc, une volonté d'indépendance existe déjà. Ainsi, il va y avoir la Ligue Awami qui va se développer, qui est une ligue qui défend l'indépendance du Pakistan oriental, même si à la base elle était surtout autonomiste, mais face à la non-prise en compte de ses revendications, elle va venir plus radicale et clairement revendiquer une indépendance totale. Et devenant donc des opposants majeurs au régime militaire qu'elle en place, qui est un régime non démocratique, qui ne s'appuie pas vraiment sur des élections. D'ailleurs, ce régime est également contesté par le reste du Pakistan, et donc ce régime va finir par tomber, ce qui va conduire en décembre 1970 aux premières élections libres du pays. Or, en décembre 1970, on est un mois après la catastrophe terrible du cyclone de Bola. Et du coup, la Ligue Awami va en profiter. Il va faire un très gros score, puisqu'elle obtient au niveau national 39% des voix, étant largement en tête, et obtenant des scores colossaux, largement au-dessus des 50% dans la partie orientale, enfin dans le Pakistan oriental. Et obtenant quasiment tous les sièges, puisque par exemple, au Parlement provincial du Pakistan oriental, elle obtient 160 sièges sur 162. Et au niveau national, du fait du mode de scrutin, ils obtiennent 160 sièges sur 300, et donc une majorité absolue, et techniquement, c'est à eux de gouverner le pays. Sauf que l'armée refuse, parce qu'ils considèrent que le centre du pouvoir doit se retrouver à l'ouest, et pas dans le Pakistan oriental, et du coup on se trouve dans une situation de blocage, et vu qu'aucune réconciliation n'a lieu, les tensions augmentent, et finalement, le Pakistan oriental déclare son indépendance en mars 1971, après avoir déjà lancé plusieurs mouvements de grève contre le gouvernement central, déjà pour tenter de le faire céder. Le Pakistan refuse cette indépendance et entame une forte répression, ce qui déclenche la guerre d'indépendance du Bangladesh. Celle-ci va se terminer en décembre 1971, après avoir fait de nombreuses victimes. D'après le Bangladesh, ça serait 3 millions de morts, et Amnesty International estime qu'il y a eu au moins 500 000 morts, et probablement sûrement moins que les 3 millions avancés par le Bangladesh, qui a tout intérêt à grossir les chiffres pour surpasser pour la victime, mais en tout cas, ça a été terrible. Il y a également eu plusieurs millions de personnes qui ont dû aller se réfugier en Inde sous les effets de la répression. Et du coup, tout après que le Pakistan ait lancé l'opération Searchlist, excusez-moi si je prononce mal, opération du coup qui avait lancé le 26 mars 1971, qui a pour but de reprendre le contrôle du territoire et d'éliminer l'opposition, en déployant 18 000 soldats soutenus par l'aviation du pays qui est là et plus active quand il s'agit de réprimer que de venir en secours aux civils qui ont subi des grosses pertes face au cyclone de Bola, et il y a également la marine pakistanaise qui est déployée sur le Pakistan oriental. Donc l'objectif, c'est de prendre contrôle des positions stratégiques, donc les villes, les aéroports, les ports, les raffineries, les moyens de communication, etc. Et l'objectif, c'est d'en finir le 10 avril. Donc ça serait une opération éclair qui devrait rapidement reprendre le contrôle du pays et ramener le calme. Sauf que, une fois la date arrivée, il n'y avait que seulement une petite partie du pays qui était sous contrôle. Globalement, les grandes villes. Par contre, en campagne, il y avait toujours une guérilla très active des indépendantistes
qui empêchait le Pakistan de pouvoir considérer qu'il contrôlait le Pakistan oriental. Et ce n'est qu'en juin que finalement le Pakistan a réussi à avoir repris globalement le contrôle du pays, pas totalement, une opposition restait active, mais ils avaient globalement repris le contrôle des situations, mais au prix de lourdes pertes, de massacres et de violentes opérations armées. Mais à ce moment-là, quand même, le Pakistan semblait avoir repris le contrôle des choses. Mais à ce moment-là, l'Inde, qui est, comme je vous l'ai dit, ennemie du Pakistan, décide d'intervenir. Déjà, elle soutenait assez activement les rebelles. Bon, une rébellion contre son ennemi, le Pakistan, ça l'arrangeait. Donc, elle fournissait un soutien matériel à partir d'avril 1971. Le Pakistan était en colère contre ça, les tensions étaient ravivées, des menaces ont été échangées, et l'Inde, de son côté, décidant de continuer de soutenir les rebelles malgré les menaces du Pakistan, eh bien, le Pakistan va agir et attaquer trois bases indiennes en décembre 1971. Ce n'était pas une bonne idée de leur part, puisque l'Inde, en retour, va déclarer la guerre au Pakistan. Or, l'armée indienne est supérieure en nombre, était mieux équipée, et ne sortait pas de plusieurs mois d'un long conflit et de combat contre une guérilla, et donc était en meilleure forme, et elle va juste complètement écraser l'armée du Pakistan. Et finalement, la guerre a commencé le 3 décembre, le 16 décembre, le Pakistan doit capituler, et accepter l'indépendance du Pakistan oriental, qui va devenir du coup le Bangladesh, nouvelle nation qui sera en grande partie influencée du coup par l'Inde, puisque l'Inde peut ainsi se targuer d'être la nation libératrice du Bangladesh, sans pouvoir en plus se faire accuser d'agrandir son territoire, puisque c'est un nouveau pays qui se crée, et l'Inde ne gagne aucun territoire. Mais c'est un pays allié, et elle a affaibli son ennemi. Donc elle était gagnante. Mais du coup, contre le nouveau pays, le Bangladesh, c'était quand même un pays assez pauvre. Déjà de base, l'endroit était moins développé que le reste du Pakistan du fait qu'il avait été délaissé. Mais en plus, avec les gigantesques dégâts subis par le cyclone de Bola, le pays était vraiment dans une situation compliquée. Et il était en grande partie dépendant de l'aide et du soutien de l'Inde, mais également de l'URSS, qui avait également apporté son soutien, mais de manière moins directe, à l'indépendance du Bangladesh. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous a intéressé. Du coup, on a fini de faire le tour du cyclone de Bola et de ses conséquences. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça nous aide beaucoup. À partager vidéo, ça aussi, ça nous aide. C'est très gentil de votre part de le faire. Et vous pouvez également commenter, on y répond avec plaisir. Et vous pouvez également vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Au revoir tout le monde.